Alain Després, un capitaine heureux après le match. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Après ces victoires-là, on a été éliminé en Coupe de France, malgré un bon effectif. Je dois dire qu'aujourd'hui, après une victoire contre Noël, je pense que la saison s'annonce bien. Alors là, moi, je vois au score final 5-0, c'est pas un peu sévère, ça? Un peu sévère, on n'a pas donné tout ce qu'il fallait aujourd'hui. Malgré ce 5-0, je pense qu'à l'avenir, on va être encore... être encore meilleur. Parce que j'ai vu une bonne attaque là. Une bonne attaque, une défense qui a été remaniée à part aujourd'hui, mais avec les gens qui vont revenir, je pense qu'on va avoir une grosse équipe. Vous allez être encore plus fort. Une grosse équipe. Parce qu'aujourd'hui, Noatel, c'était quand même l'adversaire numéro 1, puisqu'ils étaient premiers au classement avec exactement, vous. Exactement, exactement. On se devait aujourd'hui de faire un résultat. Vous l'avez fait. C'est prometteur pour l'avenir. Voilà, alors bon, sur le match, il y a eu des fautes, on parle d'une faute d'arbitrage, Non, l'arbitre a été très bien, on sait dire quand ils sont pas bien, mais faut savoir dire quand ils sont bien, l'arbitre a été très bien aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a la victoire, mais aujourd'hui a été très bien, l'arbitre a été très correct. Alors en un mot commençant, vous étiez plus fort aujourd'hui. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Alors, est-ce que vous allez être le plus fort tout au long de la saison? Je pense que ouais, il y a Odivier qui fait un bon petit parcours en ce moment, mais on a hâte d'aller là-bas.